Salut tout le monde, moi c'est Hassen, lui c'est Peyo et on est aujourd'hui chez Antares. J'ai commencé très jeune, j'ai eu la chance de faire des rencontres incroyables en Isère, dans ma région natale. J'ai été en grande partie élevé par un marchand de chevaux, Papy Bernard, qui m'a tout appris, l'attelage, le dressage, monter, et puis je me suis passionné pour le dressage. Le meilleur souvenir à cheval, peut-être la fois où nous sommes rentrés dans la cathédrale de Strasbourg. On a eu la chance, il y a 2 ans, d'être reçus dans cette magnifique cathédrale, d'entrer devant de très très nombreux fidèles et d'avancer jusqu'à la nef, en se disant que le dernier cavalier à être rentré dans cette cathédrale était le roi de France. C'était un souvenir exceptionnel. L'année dernière, on est reçu par un chef d'État, et puis donc au moment de mettre pied à terre et de saluer cette personne, donc je m'incline pour faire une révérence. Au moment où je me baisse, Peyo pète, et du coup le chef d'État pensait que c'était moi. Et moi j'avais honte, je me dis, mais c'est pas moi, c'est lui. Et puis il m'a regardé avec un sourire, du genre, ça reste entre nous, mais je vous jure, c'était pas moi, c'est lui. C'est simple, dans le spectacle, on m'appelle Monk. Je suis un fou de nettoyage, un fou de lingettes. Donc, vous me verrez souvent avec des lingettes à la main et où je repasse tous mes cuirs, mes chaussures, les mains. Voilà, tout ce que je ne supporte pas, la poussière, le sable, la crasse sur mon peyo, sur mes animaux et sur moi. Cette visite chez Antares durant ces 2 jours a été pleine d'émotions. Elle a permis de mettre du sens, d'échanger, de partager. On vit Antares quotidiennement. Pouvoir mettre des visages sur des noms que l'on voit sur les réseaux sociaux, avec qui on interagit tout au long de l'année. Rencontrer, voir comment notre matériel que l'on porte au quotidien a été créé par ces artisans, par ces métiers, ces hommes, ces femmes assez uniques qui perpétuent des gestes vieux comme le monde. Ça a été la visite à faire. Ça nous a boosté, ça nous a motivés. On espère les retrouver très bientôt. Johnny. Le lever de jambe. Alors, c'est ça. Et c'est ça. Un abacar. J'ai trouvé. Donc l'abacar, instrument moyenâgeux, voilà, finement aiguisé, qui s'applique tout doucement sur les angles de cuir pour arrondir. T'es prêt? Lui, c'est n'importe quoi! Lui, c'est n'importe aussi! Eh, mais c'est pas moi, c'est lui! Il est trop beau gosse. Oh, t'es qui beau. Oh, t'es qui beau. Eh, j'ai tout retenu, vous m'avez pris pour qui, vous? Elle voulait pas lâcher. Faut toujours avoir un abacar sur soi.